honnêtement, comment est-ce qu'on part à l'équilé? Moi, peur pour qu'on part. Moi, vraiment peur. Ok, moi, vraiment peur. Malheureusement, moi, discuté avec Richie en pile. Bon, m'espérer que on joue dans privé faire. Ok, c'est un projet que moi, t'ai gagné pour te partager avec elle. Comme moi, pas musicien en réalité. C'est Richie qui est génial, c'est Richie qui fait production. Yo. Donc, moi, je souhaitais qu'un jour, que monsieur fasse académie. Bon, il n'est pas obligé pour contrer, il est capable de faire des necks de Fabrice Roussier, des necks de Kéké, des gros musiciens, d'Ado Basket, etc. Je pense que c'est l'heure pour penser à une académie. Une académie, côté que ce n'est pas seulement pour apprendre le monde, je dis que c'est l'école musique, je dis une académie. Ça veut dire non seulement qui doit enseigner le monde, mais tout qui a travaillé sur le rythme. Pour travailler sur le rythme, codifier les, mettre des codes là-dedans pour les étrangers qui jouent le tout. Okay? Même si moi, il y a des étrangers qui jouent des musiques qu'on pas, mais pour être capable de codifier. Et en plus de codification, je pense que nous avons venir avec question de danse. Voilà, docteur Gino. Justement, très content pour aborder danse dans la même question académique là pour nous finir. So, comment on sentit le fait que Kounia a perdu l'identité ça dans le compas? Pendant que nous avons parlé de peur ou peur pour le compas. Puisque on petit monde 17, 18 ans presque pratiquement pas qu'à danser le compas. Well, c'est d'abord c'est télévision. C'est aliénation culturelle d'abord. Ça veut dire côté que vous avez un envahissement de vos chaînes de télévision américaines dans le monde. Et que les Américains ont porté culture de tous côtés. Et bien malheureusement, nous avons valé le temps de ne pas questionner. Et ce n'est pas dans la musique seulement, regardez aujourd'hui. Haïtien parle de fête de Guédé, il parle de Halloween. Haïtien parle de Thanksgiving, il y a une bonne bagaille que nous refusons de faire des fêtes par nous. Donc ce n'est pas quelque bagaille qui a perdu dans la culture. Nous. C'est une bataille pour nous faire, pour nous retourner dans l'identité haïtienne. Ce n'est pas vrai que pour nous rejeter l'autre. Ça veut dire qu'on ne doit pas apprécier l'autre culture, mais d'abord, pour apprécier l'autre culture, il faut d'abord apprécier Paul et O'Connell. Donc, c'est un effort général qui pourra être fait. Okay? Nous prenons Jasmine, Jacmel, alors, Moun Jacmel, mais qui m'a ami avec Madame Lee, qui a travaillé un peu sur la question de danse, qu'on parle. C'est extrêmement important. Parce qu'on rythme, on musique pour le marché, il faut qu'on danse. T'as qu'on merengue, t'as qu'on salsa, t'as qu'on qui réussit à péter des barrières, salsa péter des barrières dans l'Occident. C'est parce que, quelque part, on y reggae, tout c'est qu'on danse pas. Donc, mon pensez qu'il faut nous suspendre dans la question à faire de danser dans le noir. Que danser pour nous, c'est à le ploguer. Pour le ploguer, c'est ça que danser. Non, danser en cap, il y a l'autre bagaille là-dedans. Même Jacques Zumba. Exact. Pour qu'on danse jamais, mon pensez qu'il faut codifier danser. Codifier dansant et codifier musique. Tout, c'est un barrage qui a fini vraiment pour un rapport. Et le ça pour peut-être traverser barrières. Parce que en termes de business, tout autant que nous ne pas traverser barrières internationales, pour nous jouer en Europe normalement, pas pour Haïtiens, pour nous jouer en Europe pour tout l'autre monde, pour nous jouer aux États-Unis, pour nous jouer au Canada, pour toute l'autre nation. Et le ça, on a pété barrières. Ça veut dire en anglais crossover. Mais pour nous faire crossover, il y a un paquet de bagages, un paquet d'efforts pour nous faire d'abord. Et je pense que vous-même, tout dans les médias, nous avons gagné pour nous aider dans ce sens. Je pense que le ministère de la Culture a un peu de travail pour le faire. Donc, il y a un paquet d'efforts qui vous faites, un paquet de monde qui vous met des mains. Le secteur privé, il faut mettre des mains là-dedans. Et pour Haïtien, je dis à Richie, a posé une question après-midi à qui j'aime l'album qui a sorti là. Et je dis à Jean-Martin, ça me décourage. Je me regarde sur un paquet de groupes WhatsApp que moi, mon yo, là, j'ai toute musique sur le groupe WhatsApp. Elle dit tout pour nous gagner gratis. Yeah! Moi, non, groupe WhatsApp, on a 5 musiques. C'est-à-dire, même avant signature album, il y a une quantité de musique qui est en dehors. Mais selon même, ça cause des problèmes. Je pense que d'abord, c'est une question de mentalité. Nous refusons d'apprécier œuvres artistiques qui ont un gros problème de droits d'auteur en Haïti. Et ils sont désordre total dans le pays. Avec regarder Matchbox, match basket, match football, tous les médias sont gratis. C'est le seul pays qui va la gratis. Notre chaîne, c'est payé pour payer. Même pour regarder une série sur notre chaîne, c'est payé. Et payer nous-mêmes en Haïti gratis. Tout le monde fait ça et vous voulez dans le pays. C'est un pays de faire ça. Donc, le problème, c'est qu'il y a un pile de travail que vous faites dans l'école. De petit monde en petit pour commencer à apprécier l'œuvre au monde. Si au monde sont artistes, ou sont artistes, qui sont peintouillés. Tableau langon valeur, si son livre écrit, livre langon valeur, son production intellectuelle liée, même si on a produit nos factories, on travaille, travail manuel, travail intellectuel dans les gains, copyright, il doit protéger tout. Donc le nègre, ou est Richie tout un an, même Richie, Zami Richie, même qu'on est
Alors, je suis plus qu'un an à travailler sur la musique. On est fait toute année ça travail, tout mois ça travaille. Et puis, on a fait la gueule sur un groupe WhatsApp. Et puis, pas de problème, tout le monde a joué de liste encore. Parce que là, on a fait un travail en pile pour refaire la question, refaire la mentalité de Mounio. Refaire mentalité Mounio et puis pour nous effectivement si artiste qui a vraiment capable bénéficier de Evio et là on a parti from there, on a parti à partir de là et puis pour nous avancer. Donc Juno tellement content que nous fait parler ça et si nous apprend expliquer tout ça que nous gagne c'est que tu interview ça t'a trop petit.